Paris et sa couronne, Paris, Paris, chambre de vol, boulevard large comme le fleuve. Peu de champs de manœuvre, en classe prépa, dans mon cas, c'est la course, certificat. Les papiers, c'est le Graal, Bénonville à la verticale. Les assorts évangéliques font la sécu jusqu'au creek. Hiver 54, sans l'abbé Pierre, bilan polyester, freeze. Ah, c'est un grand plaisir d'être avec vous pour suivre cette rencontre avec l'équipe du Danemark contre la France en direct du Stade Loujniki ici à Moscou. Bonjour à tous, merci de suivre la troisième et dernière rencontre de ces deux équipes dans ce groupe, avec des joueurs qui m'ont l'air assez déterminés, Pierre. Oui, des joueurs déterminés, Hervé. Le troisième match en Coupe du Monde, il te permet soit de te qualifier, soit d'aller chercher la première place du groupe, soit de reprendre l'avion pour rentrer chez toi. Dans cette rencontre, le Danemark affrontera la France. Stade Loujniki Moscou, qui n'accueille pas que des matchs de foot, mais aussi de nombreux concerts, comme c'est maintenant le cas de tous les grands stades modernes. Ouais, Metallica, U2, Madonna, Michael Jackson. Toutes les superstars ont joué ici un jour. Faut aimer la musique de stade, bien sûr, mais enfin, à Moscou, c'est là que ça se passe. Sardou, non ? Non, pas Sardou. Voici la composition et l'organisation de cette équipe du Danemark aujourd'hui. Et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. Thank you. Enjoy the game. Quelques secondes du coup d'envoi. Je vous laisse découvrir les 11 joueurs alignés par Didier Deschamps au coup d'envoi de ce match. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. Avec un attaquant légèrement en retrait, c'est la différence par rapport à un 4-4-2, disons, plus classique. Le troisième et dernier match dans ce groupe qui démarre à l'instant même pour ces deux équipes. Et on continue à écrémer dans cette Coupe du Monde. Olivier Giroud. Il lui redonne. L'équipe de France qui part à l'attaque. Antoine Griezmann. Et la frappe d'Antoine Griezmann. Ah, dommage, le ballon qui a flirté avec la transversale. Allez Hervé, si tu te lançais dans un petit pronostic, tu verrais qui pour aller au bout du compte, toi ? Écoute, je vais de ce pas appeler mon ami Paul Le Poulpe, je te rappelle. Merci Paul. L'équipe locale qui a déjà son billet en poche pour la suite de l'épreuve et qui a envie de continuer avec un nouvel objectif, la première place du classement. Ils peuvent assurer la première place, hein, quel que soit... Les autres résultats. Si je me fie au match qu'ils ont joué jusqu'ici, vraiment, je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty sur ce corner. Et on va dégager pour écarter le danger. Non, elle a été interceptée cette passe.
Il résiste bien, hein. Bien campé pour protéger son ballon. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. De la D. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Thomas Lemar. Olivier Giroud. Christian Eriksen. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Ah, c'est finalement la défense. Quel dernier mot sur ce contre. Jorgensen. Yusuf Poulsen. Griezmann. Paul Pogba. L'équipe de France qui se rapproche de la zone dangereuse. Oui, il a centré là. Le centre sur le défenseur. Alors le ballon est perdu. Allez, les Français, il faut se créer une occasion. Andreas Christensen. Ballon bien donné de la tête. Et l'attaque va s'arrêter là. Samuel Umtiti. Olivier Giroud. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. De l'année. Allez, il y a du monde pour reprendre. Le ballon qui navigue toujours en zone dangereuse. Oh, cette tête, qu'est-ce que c'est mal exploité. Ouais, la trajectoire est mal jugée, le ballon est mal pris. Ça lui échappe. Tout est foiré. Samuel Umtiti. Direct Sidibé. Parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Les bleus à l'attaque avec ce ballon. Et la voilà la frappe. Eriksen. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ouais, la talonnade interceptée finalement. Pogba. Antoine Griezmann. Ah non, ballon perdu. Jorgensen. Attention à l'éventuelle contre-attaque. À la défense qui respire parce que ce contre aurait pu être dangereux. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ah non, c'est pas bien fait ça. Mbappé. Paul Pogba. Encore un bon ballon. Attention, ça peut être dangereux. Il fallait pas se louper sur ce geste bien défendu. Ah, il n'est pas vraiment à la fête, Antoine Griezmann. Il n'est pas en réussite aujourd'hui. Il n'est pas dans son match, honnêtement. Par moments, on le voit décrocher, on se demande pourquoi. Et puis, dans certaines situations, il évite le travail défensif qu'il devrait aussi faire. C'est dommage parce que, en jouant sur ses qualités habituelles, il permettrait peut-être à son équipe de prendre l'avantage dans cette partie. Ce sera une touche pour les Français. Durant Sidibé. Griezmann. Lemar.
Oh, la faute, il va y avoir un bon coup franc. L'arbitre qui laisse le but avancer un peu et peut-être pour prendre l'avantage. Combine avec un coéquipier sur ce corner. On cherche le dégagement du point du gardien. Lorenzen. Griezmann. Neymar. Il avance le ballon au pied. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Larsen. Delaney. On s'approche de la zone de vérité. Ah, bien servi Antoine Griezmann. Allez, c'est la mi-temps. Ce qui est déjà le troisième match de la compétition pour ces deux équipes. Et tout reste à faire. Ouais, personne n'a pris le match à son compte pour le moment. Bon, je ne vais pas en faire des tonnes sur le suspense, mais je préfère ce scénario à un 4-0 au bout de 20 minutes. Avec un coéquipier sur ce point. Le dégagement du point du gardien. Voilà, c'est parti dans ce troisième et dernier match dans ce groupe, Pierre. Et ouais, quand tu penses que la moitié des équipes vont repartir à la maison à l'issue de ce match. Ouais, peut-être une situation intéressante là. La frappe, sans danger pour le gardien qui accompagne ce ballon du regard. Le joueur est remplacé par Ousmane Dembélé. Sont à l'attaque, attention. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Olivier Giroud. Mbappé. Ouais, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Attention, il a du champ devant lui. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Et on a dégagé pour écarter le danger. Personnellement, je m'attendais à mieux de la part de ce joueur dans cette première période. Vous êtes d'accord, Pierre? Moi, je trouve qu'il a été transparent. Hein. Pas de but, peu d'occasion. On attend quand même autre chose en seconde période. Il va peut-être falloir qu'il se fasse un peu de violence. Le bon corner d'Eric. Ce sera sans grand danger hein, pour le gardien, ce corner. Non, non, on a compris l'intention. Mais c'est un adversaire hein, qui récupère. La voilà la frappe. Sera encore concédé par la défense finalement.
le corner d'Eriksen. Sisto, c'est pour le gardien. Paul Pogba. La passe est interceptée. Et c'est sifflé, coup d'arbitre. Là, c'est le jeune. Je suis assez vert ce carton. Hein. Paul Pogba. N'Golo Kanté. Antoine Griezmann. Non, non, ça ne passe pas. On va peut-être assister à une contre-attaque. Monsieur Poulsen. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? On a atteint l'heure de jeu. Il s'avance vers la surface. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. C'est dans le paquet. Le dégagement pour éloigner le danger. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. On s'approche de la zone de vérité. Ce sera finalement une sortie de but. Substitution for France. On fait rentrer un joueur côté français. Coming on to the pitch. Number 22, Benjamin Mendy. Paul Pogba. Dembélé. La voie est libre, la voie est libre pour l'attaque française. Allez, il y a du monde pour reprendre. Kanté. Griezmann. N'Golo Kanté. Mendy. Paul Pogba. Ouais, bon mouvement amorcé par les Bleus. Choisit la frappe. L'équipe de France qui obtient un corner. Ouais, c'est certainement parce qu'il a déjà pris un jaune, qu'il est remplacé. On peut le penser, Hervé. Hein. Après, il y a peut-être quelque chose qui nous a échappé. Hein. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty hein, sur ce corner. Kylian Mbappé. Un petit peu loupé cette tête. Complètement loupé même cette tête, Hervé. Je crois qu'il l'a joué avec le dessus du crâne. Paul Pogba. Allez, le Français, il faut se créer une occasion. C'est dégagé. Olivier Giroud. Et la frappe d'Antoine Griezmann. Les Bleus qui vont bénéficier du coup franc. Il sort après une prestation assez moyenne, on va dire. On va voir hein, si sa sortie change quelque chose dans le match. Kanté. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, la frappe. Oh, c'est juste à côté. Ah, mais le défenseur est bien revenu. Ça a obligé le tireur à précipiter son geste.
Dembélé. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Attention, c'est peut-être l'occasion de but là qui se prépare. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Ballon perdu par Matuidi. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Blaise Matuidi. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Andreas Christensen. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Attention, il peut se saisir de ce ballon. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Encore Matuidi. Ousmane Dembélé. Un danger qui se précise peut-être. Pogba. L'aube du chaos peut-être. Et très bonne sortie du gardien. Aucune hésitation au moment de dire. Arbitre a sifflé, est-ce qu'il va sortir un carton? Il va y avoir un changement côté danois. Christian Eriksen. Ouais, c'est bien centré parce qu'il fallait pas se rater sur cet arrêt. Peut-être le tournant du match, on verra. Très bonne anticipation du gardien, il est complètement dans son match. Griezmann. Il y a certainement quelque chose à faire là pour l'équipe de France. Olivier Giroud. Ouais. Bon ben oubliez ce que je viens de dire. Oh, si elle passe cette balle, si elle passe. Ah, clairement, ça peut faire but derrière, hein, donc c'est très bien défendu. Les Danois qui sont à l'attaque, attention. Non, non, ça ne passe pas. Ah, attention, la bonne récupération, il va y avoir danger. Ah, on essaie d'écarter le danger, mais c'est assez brouillé. Mais c'est donc la fin du match à l'instant sur ce score de parité. Le suspense est resté entier jusqu'à la fin et pas de vainqueur aujourd'hui. Avec un coéquipier sur ce corps. Le dégagement du point du gardien. Olivier Giroud. Et la frappe d'Antoine Griezmann.